dites, monsieur. Non, laissez-moi faire mon métier. Allez, allez, venez par ici. Non, vous n'avez pas le droit. Monsieur. Non, donnez-moi votre appareil. Laissez-moi, je suis censé. Venant de Miami sur le vol Lufthansa 409 et priez de se présenter au bureau d'information. Merci. Excusez-moi, le bureau d'information, s'il vous plaît. Vous allez tout droit et à droite. Vous traversez le hall, ensuite c'est à droite, sortie A. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il y a un message à mon nom. Je m'appelle Joseph Wendisch. Je viens d'arriver de Floride à l'instant. Ah oui, je vois un message. En effet, attendez. Wendisch. Wendisch, le voilà. Merci. Excusez-moi, je... Oui, vous désirez. Non, non, rien, merci. Oui, oui, je comprends votre situation, mais vous avez sans doute été mal dirigé. Non, 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 je parle du service où vous êtes, naturellement. Mais non, mais non, mais non, personne ne veut vous abandonner si vous vous sentez en danger, mais... Allô? Allô? Ah, on a été coupé, tant pis. Mais qu'est-ce qui est en danger au téléphone? Encore une ravissante jeune femme? Je serais déjà parti. Oh, merci, c'est gentil. Non, non, c'est un homme, un certain Wendisch. Il vient d'arriver de Miami. Et depuis une semaine, il reçoit des messages de menaces de mort. Il y en a d'abord eu en Floride. En Floride? Ben, je peux m'occuper de l'affaire. Mais ça se passe à Munich. Ah bon? Eh ben, occupe-t'en donc. Alors. Et qu'il menace? Pourquoi? Il n'a pas voulu le dire au téléphone. Il n'a fait que des allusions. Il ne veut parler que s'il vient ici au bureau, et encore, il faut qu'on lui garantisse qu'il restera en vie et en bonne santé, ce monsieur. Il restera en vie et en bonne santé, mais il nous fait beaucoup d'honneur. Pauvre de nous, on est quand même pour le bon Dieu. Allô, ici Hyman. Ah, monsieur Wendisch. Alors, oui, nous avons été coupés. Coupés, vous en avez de bonnes. On vient de me tirer dessus. Oui. Oui, pendant que je vous téléphonais, oui, oui. Vous dites? Attendez une minute. Je suis dans la rue de Sedan, au 13. Bon, restez près de la cabine. Je vous envoie une voiture de patrouille. Un de mes collègues vient tout de suite vous chercher. Il vient de se faire tirer dessus. Allô, ici, Hyman. Ici? Incroyable. C'est vous qui avez appelé? Oui, on m'a tiré dessus. J'étais en train de téléphoner. Oui, je téléphonais à la police et quelqu'un a tiré sur moi. Monsieur Wendisch? Oui. Brenner, je fais partie de la police criminelle. Quand on a tiré, est-ce qu'il y avait quelqu'un à proximité? Non. Je n'ai pas bien compris ce qui se passait. Dites, si on allait parler autre part, je ne veux pas rester ici. Oui, je m'en doute, monsieur Wendisch. Venez avec nous. Bon, la balistique va bientôt arriver. Vous les attendez. Hein? Entendu, je les attends. Ah, mes bagages. Comme ça, vous avez été pendant 2 mois au Texas, hein? Ensuite, vous avez été en Floride via la Nouvelle-Orléans, et vous vous êtes retrouvé il y a 10 jours dans une station-service à côté de Cap Kennedy. Oui, c'était il y a 15 jours. Excusez-moi.
Puis-je avoir un verre d'eau? Alors, il y a 15 jours, dans cette même station-service, justement, vous avez rencontré les époux Steinburger. Oui. Et comme nous étions tous les trois de Munich, eh bien, nous avons vite fait connaissance. Alors, ils m'ont pris dans leur voiture. Merci. Je crois que la femme voulait voir des amis, enfin... un peu avant le pont des 7000, c'est là que c'est arrivé. Il pleuvait des cordes. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Expliquez-moi ça. Le docteur Steinburger tenait le volant et sa femme était assise près de lui. J'occupais la banquette arrière. Et il a dit alors, on approche du pont des 7000. Et à ce moment-là, un de ses pneus a éclaté. Mais ils sont morts tous les deux sur le coup. Oui, la jeune femme est morte sur le coup. Et 3 heures après, Monsieur Steinburger est mort. Je n'ai rien pu faire. Par chance, j'ai réussi à me traîner jusqu'à la route. Et vers 4 heures du matin, on m'a retrouvé, un laitier qui faisait ses livraisons. Je me souviendrai longtemps de ces phares qui avançaient. Et puis j'ai perdu connaissance, il m'a sauvé. Ce n'est que le 3e jour que j'ai finalement repris connaissance, oui. Oui, alors ça a commencé. Commencé quoi, soyez clair? Eh bien, chantage, menace de mort. Mais qui vous faisait des menaces? Je n'en ai aucune idée, ça se passait par écrit ou par téléphone. Je n'ai vu personne en chair et en os. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils étaient désireux de savoir qui des époux Steinburger était mort en premier, l'homme ou la femme. Alors? Eh bien, je vous l'ai dit. La femme est morte sur le coup, son mari 3 heures après. Je n'étais pas en état d'aller chercher du secours. Oui. Alors? Alors, il me demandait un faux témoignage. Il voulait que je dise aux policiers que c'était au contraire le mari qui était mort le premier et sa femme 3 heures après. Bizarre. Ben oui, mais comment les personnes qui vous menaçaient, hein, pouvaient-elles savoir que Mme Steinburger était morte sur le coup et son mari au contraire seulement 3 heures après? Il n'y avait personne d'autre sur les lieux, non? Non. Ben alors, vous voyez, pourquoi on vous demande de faire un récit inexact et de dire le contraire de ce qui s'est passé réellement? Ils doivent bien être au courant de ce qui est arrivé. C'est vrai, ça, mais l'homme qui m'a ramassé, peut-être qu'il a parlé. Ah, c'est vrai, le laitier. Oui, celui-là. Enfin, j'étais bien amoché sur le coup, vous voyez, plutôt sonné par ce qui venait de se passer. Mais j'ai bien dû lui raconter, oui, oui, je lui ai tout dit. Et puis après, est-ce qu'il a pu aller raconter? C'est difficile à vérifier quand on est à Munich. Ça m'est bien égal. J'ai eu peur, je voulais partir et j'ai fait ce qu'il me demandait. Je ne voulais pas être mêlé à une affaire qui, manifestement, ne me regardait pas. Alors, j'ai fait la déposition comme il le voulait. Vous avez fait une fausse déclaration, si je comprends bien, en Floride. Oui, d'ailleurs, je veux rectifier tout cela. Quand on agit sous la contrainte, après, on peut revenir sur une déclaration, n'est-ce pas? Mon collègue m'a informé que tout de suite à votre descente d'avion à l'aéroport de Munich, tout à l'heure, là, vous avez été menacé. Oui, on m'a appelé à l'information pour un message. J'ai reçu ça. L'hôtesse me l'a remis. Steinburger. Charlotte Steinburger. Lupo. Je suis la sœur du docteur Steinburger. Je suis navrée que nous fassions connaissance dans des circonstances aussi tragiques que celle-ci. Mais j'ai tenu à venir tout de suite vous voir. Mais entrez donc, je vous en prie. Votre fille était encore très jeune, n'est-ce pas? C'est mon neveu qui m'a demandé de venir ici, le temps que toutes les formalités puissent être réglées. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Oui. Ça fait plusieurs années, au moins 4 ou 5 ans déjà, que je ne suis pas venue. Vous vivez ici? Oui. Ça fait plus de 2 ans que je suis venue habiter dans cette maison. Chez mon gendre et ma fille. Oui, il me l'avait dit. Mon neveu est-il là? Non, il est en ville. Les choses se présentent plutôt mal, Peter. J'ai enfin réuni toutes les pièces du dossier et... là, j'ai le rapport final de mon distingué collègue avocat à Miami. Je ne fais pas d'études de droit. Je suis étudiant en théologie. Alors, que veut dire tout cela? En réalité, tout ça veut dire que toi et ta sœur, vous êtes gravement lésés. Alors, quand vient-elle? Eh bien, je lui ai envoyé un télégramme, il y a 6 jours, à Colombo.
Mais c'est en poste restante, alors. Ton père a désigné dans son dernier testament sa femme Paola comme unique héritière, tu vois. Donc, pour ta sœur et pour toi, il reste le minimum obligatoire, c'est-à-dire pratiquement rien, en réalité. Et comme Paola lui a survécu, même si ce n'est que quelques heures, c'est elle qui hérite de ton père. Et l'héritage revient donc à la famille Lupo. Ouais. Ils ont fait une opération rentable. Roberto! Mamma! Caro figlio mio! Te voilà enfin, tu as beaucoup tardé, mon fils. C'est mon fils, Roberto. C'est le seul enfant que Dieu m'a laissé dans ce pays. Il va vivre avec moi. Il ne veut pas me laisser toute seule. Écoute, excuse-moi, mais je ne saisis pas pourquoi un fils accepte de se laisser complètement déposséder par une famille étrangère sans même essayer de se défendre. Essayer de se défendre? Mais comment? Tout d'abord, nous allons par la voie juridique nous occuper de récupérer vos parts. Ensuite, il faut retrouver ce jeune homme-là, l'autostoppeur, qui a survécu à l'accident de voiture. Ses déclarations aux policiers en Floride sont véritablement les piliers sur lesquels repose toute l'affaire. Je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Après l'accident, il était bien entendu en état de choc. Il est parfaitement plausible qu'il se soit trompé dans ce qu'il a dit. D'autant plus qu'il était blessé. C'est ça qu'il faut éclaircir à tout prix. Et comment? Il s'appelle... Wendisch, Joseph Wendisch. Il devrait arriver aujourd'hui. Il est déjà là. Ah, je vois que tu es très au courant. Oui, la compagnie des pompes funèbres m'a averti que le cercueil de mon père est arrivé aujourd'hui et je dois me rendre à l'aéroport. Et ce Wendisch était dans le même avion. Alors voilà son adresse. Va le voir. On va dire, j'ai pas très envie d'y aller. Tout est exact? C'est juste mot pour mot. Alors vous pouvez signer en bas de chaque feuille. Je me sens soulagé. Je suis très heureux pour vous, monsieur Wendisch. Seulement, il reste une chose. Votre déposition va avoir des suites. Les maîtres chanteurs vont apprendre que vous avez dit la vérité. Et cette semaine, ils l'apprendront? Alors aujourd'hui, c'est jeudi, hein. Jusqu'au début de la semaine prochaine, disons lundi, je peux garder le secret. Merci. Je vais partir lundi matin. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur le procureur? Oui, bien entendu, mais... il est vrai que j'aurais préféré de loin vous avoir sous la main quelque temps encore. Oui, je comprends pourquoi. Seulement, croyez-vous pouvoir assurer ma sécurité? Monsieur Wendisch, si vous achetez dans un magasin un aspirateur ou une radio, vous avez une garantie pour ça, mais dès qu'on parle d'assurer la sécurité de quelqu'un, je vous mentirai en vous disant que c'est possible, alors. Nous ne ferons rien avant lundi, voilà. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir, monsieur le procureur. Oh, pardon. Alors, Gert, quoi de neuf? Alors, on a retrouvé une balle dans la cabine du téléphone. Après analyse, elle vient d'un revolver d'un type courant de fabrication américaine. Au sujet de la voiture, je n'ai rien à dire d'intéressant, nous n'avons rien trouvé. Mais en revanche, du côté de la famille, j'ai... Non, une minute, Gert. Monsieur Wendisch, est-ce que vous pourriez attendre 5 minutes après que mon collègue va vous ramener en voiture à la maison? J'aime mieux aller en bus. Est-ce que je peux être certain que ma déposition ne sera pas connue avant lundi? Vous avez ma parole. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, Gert? Oui, la famille de la femme du docteur Steinburger. Cette famille porte le nom de Lupo. Donc, le père est un Sicilien. Il vivait à Munich déjà au moment de la guerre. Peu de temps après la guerre, il a épousé une jeune fille de Palerme. Ils sont revenus vivre ici. Ils ont eu 8 enfants. Toujours en vie ou... Non, non, il est mort. Sa veuve habite maintenant Starnberg, chez sa fille Paola Steinburger. Les enfants sont allés vivre aux États-Unis, sauf les deux derniers, Paola et Roberto. Ah, son casier n'est pas vierge. Il a fait de la prison? Pas encore, mais je vois dans son dossier au moins 2 acquittements douteux. Il assure actuellement la gérance d'une maison de jeu en ville, une sorte de cercle. À part ça, sa sœur Paola a été aide médicale, ceci pendant 8 ans, chez le docteur Steinburger, avant de se marier. Ben, je vais aller voir cette famille, ça vaut le coup, je crois. Hein. Je m'en vais à Starnberg. Lupo,
Chez le docteur Steinberger. Oui, que voulez-vous? Ne quittez pas. Ici Charlotte Steinberger. Uta! J'attendais que tu appelles. Oui, mais tu es tout prêt. Allô? Allô? C'est moi que vous venez voir? Oui. Bonjour, madame commissaire Custer, police criminelle. Entrez, docteur Custer. Non, non, Custer, pas docteur, c'est pas docteur. Je suis la sœur du docteur Steinberger. Qu'est-ce qui vous amène? En réalité, j'étais venu rencontrer le fils du docteur Steinberger ou sa fille, mais si vous êtes sa sœur, c'est... Que puis-je faire pour vous, commissaire? Madame, il se peut qu'on vous demande de reculer de quelques jours la date des funérailles de votre frère, pour le cas où nous aurions besoin de faire ordonner une autopsie. Ici Charlotte Steinberger. Oui, Uta, te revoilà, nous avons été coupés. Mais où es-tu? Ah, Zurich. Oui. C'est terrible, je sais. Ça me fait tant... Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Uta, il faut que tu viennes tout de suite. Si tu savais ce qui se passe ici, ma chérie. Écoute-moi bien, on est en train d'essayer de vous déshériter. Oui, de vous déposséder. Écoute-moi. Un des fils est venu habiter la maison. Non, non, je me défends toute seule. Ton frère, tu sais, il est tellement nonchalant, il ne se rend pas compte. Ah, le voilà ton frère, ne quitte pas. Eh bien, tu tombes à pic. Pourquoi? C'est ta sœur. Où est-elle? Au téléphone. Elle vient d'arriver. À Zurich, vite. Bonjour, petite sœur. Ne pleure pas, Uta. Tu arrives à quelle heure? 17h20. Bon, je viendrai te prendre. Oh, attends, il faut que je m'organise, je n'ai plus de voiture. Uta! Uta! Qu'est-ce que tu as fait de ta voiture? Qu'est-ce qui se passe? Ben, je l'ai vendue, il y a de ça environ une demi-heure. Elle est devant dans la rue, mais c'est fini. Elle est plus à moi maintenant. J'ai été obligé de la vendre. Obligé de la vendre? Ben oui. Comment aurais-je pu faire autrement? Je n'ai plus de ressources, il faut bien que je me débrouille. La vie continue, tu sais. C'est bien la raison pour laquelle tu me déçois beaucoup, Peter. Si ton père a tant travaillé toute sa vie durant, c'est pour Uta et pour toi. Non, tante Charlotte, il a fait tout ça pour lui. Le testament est fait entièrement en faveur de sa jeune femme. Et elle, elle est morte maintenant. Et il est mort. Est-ce que tu penses vraiment... Est-ce que tu penses que ton père aurait voulu cela? Le testament est chez Maître Bertram, écrit à la main. C'est une situation imparable. Est-ce qu'il t'a donné l'adresse du jeune homme? Je veux dire, la personne qui était dans la voiture au moment de l'accident. Mais oui, l'adresse, je l'ai. Alors? Je ne sais pas trop, il faut que je parle à Uta avant. Pardon, monsieur. Mais qui êtes-vous? Police criminelle. Je me passe un commissaire Custer. Toujours aussi jolie. Ça fait du bien que tu sois là. J'ai du chagrin. Oui, je sais. C'est terrible. Dis-moi. Comment ça a pu arriver? C'est vrai, qu'est-ce qui a pu se passer? Comment, Charlotte ne t'a encore rien dit? Oui, elle m'en a un peu parlé au téléphone, elle a dit qu'on veut nous prendre, mais pourquoi? Pourquoi? J'en sais pas plus que toi, tu sais, j'ai vu Bertrand, nous avons un peu parlé, oui, mais... À quoi tu penses? Uta. J'ai tellement de peine, si tu savais.
Viens, Lina. Et l'héritage? Écoute, l'héritage, ça m'est bien égal. Moi aussi, ça m'est bien égal. Mais ils ne me laisseront pas tranquille. Maître Bertram et tante Charlotte, surtout. C'est pour ça que j'ai pensé que peut-être il y aurait un moyen. Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est l'adresse de l'homme qui était dans la voiture, Joseph Wendisch. Et son témoignage est capital pour enrichir la famille Lupo à nos dépens. Peter, on va aller le voir. Mais t'as encore ta voiture? Oui. Mon acheteur était très gentil. Il me l'a laissée jusqu'à demain midi, c'est sympa. Était-ce vraiment nécessaire? Oui, il fallait la vendre. Il faut qu'on s'habitue à faire des économies. L'avenir ne s'annonce pas brillant pour nous. Il est pas chez lui. Viens. Qui est là? Monsieur Wendisch, mon nom est Steinburger. Peter Steinburger. Je suis venu vous voir avec ma sœur Uta. Et qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Wendisch, vous êtes le dernier à avoir vu mon père vivant. Nous aimerions pouvoir vous parler un instant. Pourquoi faire? J'ai tout dit dans ma déposition. Monsieur Wendisch! Je vous en prie, laissez-nous entrer, c'est très important pour nous. Je vous en prie, monsieur Wendisch. Et qui me prouve que vous êtes bien des Steinburger? Jamais je n'ai entendu le docteur Steinburger en Floride me dire qu'il avait deux enfants d'âge adulte. Je suis sincèrement désolé de vous donner l'impression d'être très impoli, mais votre père a été très gentil avec moi. Sa femme aussi, d'ailleurs. Jusqu'à la fin. Oui, vraiment, jusqu'à la fin. Je me souviendrai durant toute ma vie de ce bruit de gouttes qui tombait. Monsieur Wendisch, devant les policiers en Floride, vous avez fait une déposition sur les circonstances de l'accident. Je ne veux rien dire de plus, vous entendez? Je veux que vous me laissiez tranquille. J'ignore pourquoi vous ne voulez rien dire, mais j'espère que vous vous rendez bien compte à quel point toute votre déposition peut tout changer pour nous deux. Laissez-moi tranquille. Attends, ne pars pas. Monsieur Wendisch, je vous en prie. Écoutez-moi, monsieur Wendisch. Allez, viens maintenant. Vous êtes certain que mon père est mort avant elle? Monsieur Wendisch, par pitié. Mon dernier mot est commissaire Koester. Qu'est-ce que vous voulez dire? Police criminelle Munich. Je lui ai tout dit cet après-midi. Il n'y a rien à en tirer. Tiens, tu fais des heures supplémentaires, toi. Oui, l'accident a eu lieu dans cette région. Et là, c'est Miami, où Wendisch a été hospitalisé. Et dans toute cette région se sont installés les frères de Madame Steinburger, toute la famille Lupo. Koester. Oui? Le fils et la fille du docteur Steinburger veulent me parler. Uta. Peter. Une minute, monsieur Lupo. Qui sont ces messieurs? Mais ce sont mes frères, Ricardo et Guido, de Floride.
Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs, mais... ici, ce n'est pas un hôtel. Qu'est-ce que vous imaginez? Mais je suis chez moi. Roberto. Nous sommes les frères de l'ancienne propriétaire en titre de cette maison, madame Paola Steinboga. Notre pauvre sœur qui vient de mourir. Nous venons d'arriver des États-Unis pour assister à son enterrement et apporter notre soutien et notre affection à maman. Vous voulez vous opposer à ça? Monsieur Wendisch a dit textuellement « commissaire Köster de la brigade criminelle à Munich ». Je lui ai tout dit cet après-midi. Il voulait dire que vous aviez des informations. Non, monsieur Wendisch est quelque peu incohérent, là. Il paraît avoir oublié qu'il est en danger, si sa déclaration vient à... Enfin, je veux dire, il a ma parole que je ne transmettrai sa déposition que lundi seulement. D'ailleurs, j'en ai bien trop dit déjà, monsieur Steinberg. Mais qu'est-ce qui le met en danger? Nous, on ne veut surtout pas lui faire de mal. Nous voulons seulement savoir la vérité. Oui, je comprends. Vous connaissiez bien la jeune femme de votre père? Paola? Ah, bien sûr. Elle a travaillé pendant des années sous les ordres de mon père. Je l'aimais comme une sœur. Et vous, monsieur Steinboga? Oui, je la connaissais bien, moi aussi. Oh, enfin. Dieu, vous voilà, mes enfants, Dieu soit loué. Je commençais vraiment à m'inquiéter. Monsieur Köster, je suis venu chez vous pour vous demander, eh bien, soyons un peu plus précis que ça. Je vous donne l'ordre formel de me dire exactement ce que Wendisch vous a confié dans sa déposition. Monsieur Köster, je parle pour mes clients qui mettent en jeu leur patrimoine familial. Si Monsieur Wendisch a changé même d'un détail la déposition faite en Floride, que cela porte sur le fond ou au contraire sur la formulation des faits, dans les deux cas, veuillez me tenir au courant. Écoutez, je suis désolé, mais revenez me voir lundi matin. Trop tard, c'est beaucoup trop tard. À 16h précises aujourd'hui est prévue la dernière confrontation en présence des deux familles, des avocats des deux parties et des héritiers. Vous pouvez pas reporter ce rendez-vous de quelques jours? C'est impossible. Mon collègue Zanotti, avocat de la famille Lupo, s'en va demain matin pour 2 mois aux États-Unis d'Amérique. Et si jamais je décale la date de cet entretien, il est en droit de nous accuser de fausser la marche de la justice, commissaire. C'est un cas de première urgence, une nécessité vitale. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai donné ma parole. J'ai donné ma parole d'homme. Voyons... Pouvez-vous porter garant de la sécurité du témoin Wendisch s'il arrive quelque chose? Où est-ce qu'elle aura lieu, cette confrontation entre les deux familles? À la maison du docteur Steinberg. Monsieur Wendisch? Monsieur Wendisch, c'est Köster. Ah, bonjour, madame. Bonjour. Dites-moi, monsieur Wendisch, il est pas là? Non, non, ça fait longtemps qu'il est parti en Amérique, monsieur. Ah oui, bah c'est pour ça qu'il ouvre pas, alors, hein. Deux cercueils venus de Floride. Monsieur Wendisch, ils sont déjà là, il y a quelqu'un devant votre porte. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah ben, je suis heureux de vous voir, monsieur Wendisch. Il faut absolument que je vous parle, c'est extrêmement urgent. Eh bien, je ne ferai plus jamais d'autostop dans aucun pays de la Terre. Eh ben, c'est une très sage décision. Merci. Avant, je ne fermais pas la porte à clé. Alors, quoi de neuf? Monsieur Wendisch, je m'en tiens entièrement à nos conventions. Mais vu la tournure que prennent les choses, il est de première importance que la déclaration que vous avez contresignée... Ne me dites pas que vous avez remis ma déclaration aujourd'hui. Non, mais évidemment non. C'est pourquoi je suis là, d'ailleurs. Oui, je vois. Vous voulez avoir mon accord. C'est pour dégager votre responsabilité en cas de malheur. Oh, je vous donne la protection de la police jusqu'à lundi matin, c'est normal. De toute façon, c'est vous qui avez mis la machine en marche. Vous m'avez envoyé les enfants Steinberger. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez de moi? La vérité aujourd'hui.
J'ose espérer que malgré les difficultés engendrées par le décès tragique et brutal des deux époux à la suite de ce terrible accident de voiture en Floride, nous arriverons sans peine à un accord. Vous avez tort de nourrir cet espoir, cher collègue. Et je dis cela au nom de toute la famille Lupo. Car les problèmes auxquels vous faites allusion n'ont aucune existence réelle. J'ai en main... Je vous ai apporté deux actes de décès établis par les autorités dont je veux vous donner lecture. Ils sont établis par la police et les autorités de Floride. Et il ressort de ces documents que Mme Paola Steinburger, née Paola Lupo, et son mari, le docteur Steinburger, sont décédés à 3 heures d'intervalle. Le docteur étant mort le premier. Oui, nous savons cela, mais il est évident que cette version des faits ne tient que grâce à la déposition du témoin, M. Wendisch. Je n'ai pas la moindre objection à faire sur ce sujet, cher collègue. Je veux dire simplement que Mme Paola Steinburger est l'unique héritière d'après les clauses du testament établi de son vivant par son mari, le docteur Oscar Steinburger. Ayant acquis le droit à cet héritage avant sa mort, elle l'a transmis par sa mort et en toute légalité à tous les membres de sa famille. Les parts devant être calculées selon le lien de parenté. Alors, comme promis, protection de la police jusqu'à lundi. Je n'en ai pas besoin, merci. Monsieur, Monsieur Wendisch, mon collègue Brenner viendra habiter chez vous. Il n'en est pas question. Bon, il restera dans sa voiture devant votre porte. Je ne veux pas de protection spéciale, ni dans mon appartement, ni devant ma porte. Et pourquoi donc? Et pourquoi? Parce que ça ne fait qu'attirer toutes sortes d'ennuis. Et de toute façon, j'ai échangé le billet, je serai parti dès demain matin. Bon, ce sera comme vous voudrez, mais à vos risques et périls. Bonjour, monsieur Steinburger. Bonjour, il y a déjà pas mal de monde. Est-ce que maître Bertram est là? Oui, un instant, s'il vous plaît. Bien. Je n'aurais pas raconté toute l'histoire encore une fois. Mais non, monsieur Wendisch, tout est consigné par écrit, oui. Voilà, il vient tout de suite. Dites-moi, est-ce qu'il y a des membres de la famille Lupo présents? Oui, il y a Madame Lupo. Elle est avec son fils Roberto et deux de ses autres fils qui sont venus de Floride, Guido Lupo. Non, j'entre pas. Ça, vous ne pouvez pas me le demander. En fait, ce sont les mêmes qu'aux États-Unis, non, non. Monsieur Custer. Bonjour, maître Bertram. Je vous présente Monsieur Wendisch. Enchanté, monsieur. Monsieur Wendisch a donné son accord. Vous pouvez lire sa déclaration. Oui, mais entrez donc, je vous en prie. Je crois que je préfère de beaucoup rester à l'extérieur. Mais je pense qu'il a raison. Il vaut mieux le laisser dehors et le faire entrer qu'en cas de nécessité. Bon, comme vous voudrez. Gert, tu restes ici avec Monsieur Wendisch. Très bien. Je voudrais bien connaître tous ces messieurs dames. Hein, voilà. Venez. Merci. Le plus terrible, c'est que les Steinburger étaient vraiment des gens charmants. Je parle du couple que j'ai rencontré. Mais tout cela n'a rien à voir avec ce qui se passe en ce moment dans leur famille. Gert, fais bien attention à monsieur, comment il s'appelle, Wendisch. Espèce de salaud. Attention, cet homme est armé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Ils sont en train de se battre. Il veut délibérer. Arrête, Roberto. Roberto, laisse-moi. Mais enfin, messieurs, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Arrêtez-vous. Arrêtez. Voyons. Je vous en prie, nous sommes des gens civilisés. La violence ne mène à rien. Arrêtez de vous battre. Allez, Roberto, calme-toi et viens t'asseoir. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils vont rester tous dans cette maison de fous? Ah ben c'est le juge des successions qui décidera, et ce sera sûrement en faveur des enfants Steinburger. Alors, je vais vous dire au revoir. Non, pas au revoir, plutôt que Dieu vous garde en bonne santé. Prenez soin de vous. Dieu vous garde aussi, M. Wendisch. Je pense que c'est peut-être une faute de le laisser tout seul cette nuit chez lui. J'irai y faire un tour tout à l'heure pour voir comment il va. Vous voulez que je vienne avec vous? Non, laisse, je me débrouillerai tout seul. Entrez donc. Vous voulez boire un verre? Volontiers, oui.
Excusez-moi. À votre santé, à votre héritage. À vos voyages. Vous êtes satisfait de ma déclaration? C'était vraiment très bien. À l'école, je fais du théâtre, vous savez. Le théâtre est très utile. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour l'argent? Le compte y est. Alors, ça vous va? Oui. Demain, je serai parti vers le sud. Mais je ne peux pas rester pour les funérailles. Désolé, mais la bande des loupeaux commence à me faire vraiment peur. Bon, il faut que je m'en aille. Merci beaucoup, Wendisch. Et bon voyage. Monsieur Wendisch, Monsieur Wendisch, ouvrez-moi, c'est Custer. La clé est à l'intérieur. Ouvrez cette porte, alors. Une minute. Oui, j'y arriverai bien comme ça. Oui, mais... Mais quoi, quoi, ça bloque de l'autre côté? Oui, il a dû mettre quelque chose qui bloque. Et il n'a pas enclenché la chaîne. On va enfoncer la porte. Allez, on y va. Mon Dieu. Vous avez le téléphone? Oui. Venez, venez. Bonsoir. Excusez-nous de vous déranger. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Roberto Lupo est-il là? Il faut demander à Madame Lupo. Pourriez-vous l'avertir que nous sommes là? Oui. Madame Lupo? Il y a des gens qui vous demandent. Je viens. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Wendisch est mort. Oh, Monsieur Wendisch? Oui, le témoin. Il est mort, on l'a trouvé chez lui. Ricardo? Madame Lupo? Oui, qu'y a-t-il? Nous recherchons Roberto Lupo. Mais il n'est pas là. Il est 1h30 et à cette heure-ci, mon fils est encore sur le lieu de son travail. Il n'est pas à la salle de jeu. Il a disparu. Parle-lui, Ricardo. Descends et arrange-toi avec lui. Si vous m'y autorisez, je viendrai avec vous à la place de mon frère Roberto. Je préfère rencontrer directement le commissaire. Ainsi, nous éclaircirons les malentendus qu'il y a entre nous. Mm-hmm. On vous attend. Alors je m'habille et j'arrive. 5 minutes. Le commissaire Custer veut que tout le monde soit dans son bureau demain matin à 8h30. La famille Lupo? Non, non. Il veut recevoir les membres des deux familles. Les familles Lupo et Steinburger. Voilà, c'est fini. Est-ce que vous avez déjà des résultats? Oui, quelques résultats. D'abord, l'arme du crime, c'est la bouteille. Nous avons retrouvé dessus des fragments de peau, des cheveux et puis du sang. Il y a eu un seul coup très violent, donné d'en haut. Pas comme avec un marteau, mais... Mais plutôt verticalement, un coup donné des deux mains, avec une grande force. La victime a dû se pencher, peut-être pour ramasser quelque chose,
Quelque chose qui traînait par terre, je ne sais pas. Vous avez relevé des empreintes ? Tout a été soigneusement essuyé. La bouteille et même le loquet. Un seul coup sur la tête et il a été tué. Est-ce qu'il est mort sur le coup ? Un seul coup, oui, mais il n'est pas mort tout de suite. Ah. Le docteur vous expliquera mieux que moi. Après avoir été frappé, il est resté couché ici. Peut-être une heure ou deux, mais pas davantage. Puis il a réussi à se traîner jusqu'à la porte. Et là, ça a été la fin. À quelle heure situez-vous le décès ? Entre 23h et minuit. Demain, je pourrai vous en dire plus. Je veux le maximum de précision pour demain. Je peux vous téléphoner ? Si possible, pas avant 9h. Bonsoir. Bonsoir, docteur. Ah, à propos, Lovinger. Oui ? Est-ce qu'on envoie tout ça au laboratoire ? Pourquoi ? Vous voulez quelque chose ? Oui, le journal qui est sur la table, il m'intéresse. Alors prenez-le. Si c'est possible. Hein? Je peux Allez-y. Le prendre ? Allez-y. Oui, merci. Alors, vous l'avez trouvé ? Non, j'ai pas pu mettre la main sur Roberto, mais son frère Ricardo Lupo a demandé à venir à sa place. Mon frère Roberto est... Je sais toujours où le joindre par téléphone. C'est un garçon un peu instable, c'est un souci constant pour la famille. Il a des dettes auprès de gens qui n'ont pas l'habitude de plaisanter. Un moment. À combien se montent ces dettes ? Ça va faire presque 40 000 $. On ne peut plus rien faire pour lui, il a fait trop de bêtises dans le passé, et puis nous avons nos propres affaires aux États-Unis. Oui, mais votre mère aurait pu lui donner l'argent, n'est-ce pas ? Oui, c'est cela, oui, maman aurait pu régler ses dettes avec l'héritage de sa fille. Les créanciers étaient bien informés de la situation, ils étaient prêts à patienter quelques semaines encore, et puis... Et puis est arrivé le témoin Vendish avec sa déposition qui a chamboulé tous les plans de la famille. Cette déposition sur l'honneur est un coup monté. Mamma mia ! On veut faire d'une honnête famille italienne des mafiosi prêts à tout pour l'argent. Posez la question de savoir à qui profite le crime, en l'occurrence, et vous trouverez l'assassin. Scusi. Mon frère se trouve à Milan. Il y est depuis plusieurs heures. Il a pris l'avion pour Milan à 18h50. Il est chez des amis pour essayer de réunir les fonds. Et sa voiture est à l'aéroport au parking. Bien, monsieur Lupo, ce que vous dites va être vérifié. Ah. Roberto. Roberto. Enfin, te voilà. C'est bien passé. Bonjour, maman. Ah, bonjour, madame Steinburger. Commissaire. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Parfait. Monsieur Steinburger, j'ai besoin de votre aide. Venez dans mon bureau. Monsieur le commissaire ? Oui. Me voilà, je suis là. Ah oui, je vois, oui. Merci, monsieur Lupo. Je vous verrai plus tard. Hein. D'accord. Bonjour, madame Jordan. C'est Bonjour. Gentil d'être venu tout de suite. De rien. Venez, passons de l'autre côté. Oui, c'est bien lui. Qu'est-ce que vous dites ? C'est lui qui m'a donné à 9h hier matin un message à remettre à un certain Vendish. C'est bien cela. Tout ça est grotesque. Vous devez confondre. Non, commissaire, je ne confonds pas du Mais tout. Mais je sais qu'il n'y a aucune confusion de votre part et que ce garçon est bien la personne qui s'est présentée pour vous remettre le message à l'intention de M. Vendish, dont vous connaissiez l'heure d'arrivée, M. Steinburger, mais vous ne connaissiez pas son visage. Et vous vouliez le voir très vite, donc vous avez laissé le message Pourquoi est-ce que j'aurais voulu le voir ? Vous vouliez lui proposer un marché pour faire changer la déclaration du seul témoin oculaire présent dans la voiture au moment de l'accident. Et ça vous a très bien réussi. Je vous remercie, Mme Jordan, ce sera tout. Au revoir, madame. Au revoir. Oui, monsieur Steinburger, c'est ainsi. Alors, vous prétendez que j'ai soudoyé un témoin. Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un bandit ? L'air qu'on a, vous savez. Monsieur Steinburger, je vois passer beaucoup de gens ici. Et la plupart des gens que je reçois dans mon bureau, on pourrait leur donner le bon Dieu sans confession. Seulement, je suis une enquête sur un meurtre, vous voyez. Donc, il me faut des preuves. Et vous en avez ? Ah ben, ça s'accumule doucement. Monsieur Koester, je n'en crois pas un mot. Mais au lieu de jouer au plus malin, téléphonez à votre avocat. Non, j'en ai pas l'intention. Je trouverais ça humiliant. Je n'ai pas commis de mauvaise action. Vous avez quoi comme voiture en ce moment ? Une deux chevaux. Pourquoi vous avez vendu la grosse voiture ? Je voulais faire des économies. Combien avez-vous vendu votre voiture ? Je l'ai vendu 14 000. Un chèque ? En espèces. Combien la deux chevaux a-t-elle coûté ? 2 000. Les 12 000 restants, vous les avez encore ? Oui, en gros. À peu près. J'ai fait des petits achats, mais pas grand-chose. Plus de 10 000, alors ? Oui. Ils sont en votre possession ?
Oui, absolument. Voilà ce que le défunt avait dans la poche de sa chemise. 2 x 5 000 marks, en 50 billets, des billets de 100 marques. Il y a sur ces bandes de papier le cachet de la banque, la signature du caissier. Tout ça est daté d'avant-hier. Je suis passé voir le garagiste, il a tout confirmé. Qu'est-ce que vous en pensez? Commissaire Custer. Je désire faire des aveux. Nous y voilà. En effet, j'ai bien soudoyé le témoin. L'épisode de la cabine téléphonique, c'était moi. Mais quant à la mort de M. Wendisch, je n'y suis pour rien. Ça, vous l'avez déjà dit. Allez, Gert, tu vas taper la déposition. Hein. M. Steinburger veut faire des aveux, de son plein gré. Où est ton frère, Outa? Il a téléphoné en disant qu'il en avait encore pour un peu de temps. Ça va faire 4 heures. Je les trouve bien calmes là-haut et bien silencieux. Monsieur Steinburger, voulez-vous relire le dernier paragraphe? J'ai quitté Monsieur Johann Wendisch, qui m'avait aidé dans la fraude sur l'héritage, après lui avoir remis 10 000 marks pour prix de son témoignage. Et puis j'ai pris congé de lui après lui avoir souhaité un bon voyage. Je n'ai vu personne dans l'escalier, mais dans la rue, j'ai cru apercevoir quelqu'un qui avait l'air embusqué. Je ne peux rien affirmer de très précis. Lui a prouvé des positions de Peter Steinburger, c'est bon? Très bon. Ben, revenons, si vous le voulez bien, à la question des 10 000 marques versées aux témoins. Vous avez dit en premier lieu que vous aviez toujours cette somme chez vous. C'était un mensonge de circonstance. M. Wendisch les avait en sa possession. Donc c'était un pieux mensonge. Voilà, j'aime mieux ça. Mais... vous avez des projets pour partir en voyage? Non. Et je vous dis ça parce que j'ai demandé un mandat de perquisition et je pense l'avoir aujourd'hui. Ce qui m'intéresse surtout, c'est le premier étage de la maison. Vous pensez qu'il peut y avoir un endroit commode là-haut pour dissimuler quelque chose? Vous pensez aux 10 000 marques? Ben oui, évidemment. L'assassin a dû les prendre avec lui. Comment n'aurait-il pas ramassé 10 000 marques qui traînent sur la table de la cuisine? Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez disposer, M. Steinburger. Mais enfin, tu n'as tout de même pas passé 12 heures entières en compagnie des policiers. Si, et alors? Nous, ils nous ont renvoyés au début de l'après-midi. Et les loupeaux? Les loupeaux sont là-haut. Qu'est-ce qu'ils font là-haut? Eh bien, toute l'après-midi, ils parlaient très fort entre eux, et puis je n'ai plus rien entendu. Tu n'as pas l'air très en forme, Peter. Ah oui? Douze heures à la police, tu te rends compte? Je ne comprends pas. Tu veux que je te fasse à manger, chérie? J'ai rien mangé depuis ce matin. Je te fais 2 œufs au plat. Ou un steak haché? Ou une omelette? Oui, n'importe quoi, j'ai tellement faim. Pourquoi tu ne veux rien nous dire? Je vais t'aider, tante Charlotte. Je vais faire un tour et je reviens.
Bonsoir, monsieur Steinburger. Qu'est-ce que vous faites dans la voiture de monsieur Lupo? Steinburger, vous savez combien la vue de ses fautes peut faire du bien? Ça fait du bien à qui? Au pauvre pêcheur ou bien à celui qui l'écoute? Je crois que ça fait du bien aux deux, moi. Je ne vous considère pas comme un meurtrier. Ce qui s'est passé hier dans la voiture, c'était un acte irréfléchi. Une grosse bêtise. Vous avez été dépassé. Oui. Oui, j'étais dépassé. J'étais dépassé, je ne comprends pas. Alors c'est à cette table que vous lui avez donné l'argent? Non. Non, j'étais assis dans ce fauteuil. Alors, ça vous va? Ouais. Demain, je serai parti vers le sud. Mais je ne peux pas rester pour les funérailles. Désolé, mais la bande des Lupo commence à me faire vraiment peur. Bon, faut que je m'en aille. Merci beaucoup, Wendisch. Et bon voyage. Quel effet ça fait d'être millionnaire? Millionnaire? C'est un peu exagéré tout de même. J'ai dû vendre ma voiture pour pouvoir vous payer. Vous me faites pleurer. Vous avez besoin d'argent, quoi? Vous exagérez, dites donc. Vous ne trouvez pas que vous exagérez un peu, Wendisch? Vous avez touché une jolie somme pour jouer la comédie. C'est que j'ignorais que vous héritiez de plus de 6 millions. 6 millions? Qui vous a raconté cette histoire? C'est une histoire de fou. De fou? C'est moi qui suis certainement le plus fou de toute cette histoire. J'ai été stupide avant-hier à l'aéroport. Venez, venez voir. Et ça? C'est marqué noir sur blanc. De l'or pour la troisième génération. Qui touchera les millions? Les millions? Allez, lisez ça. Oui, je sais, je connais. Je connais ces saloperies, et si vous croyez ce qu'il y a là-dedans, alors... Je vous écœure. Vous. Peut-être qu'un jour, la situation va se renverser. À votre avis, que croyez-vous que le Lupo me donnerait si je faisais une autre déposition qui annule la précédente? Au moins 10%, non? J'aurai la satisfaction morale d'avoir dit la vérité, et en tout cas, sûrement plus que cette liasse de billets de sang.
On dit toujours que je suis doux comme un agneau. Je comprends rien à tout ça. Votre avocat demandera au juge de tenir compte de votre grande jeunesse. J'ose espérer que les juges l'écouteront. Ah ben, allons-y.